bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Voilà, nous sommes en direct, il est 20h29, heure locale, heure de Paris. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, merci pour mes bien-aimés, merci pour ce moment que tu nous as, Seigneur, donné. Merci pour ta fidélité. Conduis-nous dans tout ce que nous allons partager, Seigneur, ce soir. Au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir, frères et sœurs, et encore merci pour votre présence, pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à vous connecter sur TV, Radio de Vie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et pour nous témoigner de votre amour pour la vérité, de ce que le Seigneur fait dans vos vies. Et nous sommes, croyez-nous, beaucoup encouragés, en fait, en gros. Donc, beaucoup encouragés par vos mails, par vos prières, par vos suggestions. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce week-end, ce dimanche, nous étions à Nice et nous avons été agréablement surpris, encouragés par le Seigneur. Alléluia! Tenais personnellement à dire merci au Seigneur et aussi aux frères et sœurs de Nice qui nous ont beaucoup encouragés, à Patrick, à tous les frères et sœurs. Vous êtes tellement nombreux, et à Laure, à plein d'autres. Donc, vous tous qui avez été présents pour nous encourager, pour nous fortifier, à Vanessa, à... Voilà, donc je ne pourrais malheureusement citer tout le monde. En tout cas, merci à tous, merci à toutes de nous avoir soutenu, encouragé. Et voilà, donc et on a pu voir comment le Seigneur a touché, comment il a guéri, comment il a sauvé des personnes ce week-end. Et il y a eu quelques baptêmes. Et Dieu nous a, en gros, encouragé. Personnellement, je suis rentré boosté, fortifié, parce que on sent, on voit que les promesses du Seigneur sont oui et amen. Et voilà, donc on va certainement recevoir rapidement les vidéos de cette mission à Nice, parce que voilà, donc j'ai pas pu les ramener avec moi. En tout cas, on va rapidement nous les envoyer par Patrick, afin que vous les ayez aussi rapidement, parce que je sais que beaucoup veulent savoir ce qui s'est passé là-bas à Nice. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et je tenais à vous rappeler que ce week-end, nous sommes ce samedi, donc il y a bel et bien un programme de réveil à Évry. Et puis le dimanche 15, nous serons à Lyon. Le dimanche 21, nous serons à Stuttgart, en Allemagne. Que Dieu soit béni pour son nom, pour son œuvre qui se fait ici et là.
que toute la gloire le revienne. Alors, bonsoir à vous qui êtes avec moi sur le plateau de TV et Radio de Vie. Julien. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, est-ce que ton micro, je ne pense pas qu'il soit allumé. Voilà, donc du coup, les gens ne t'ont pas entendu. Certainement, chez eux, ils ont dû se dire, mais on ne l'entend pas. Voilà, là, c'est parfait. Alors, tout va bien? Ça va bien, Dieu fait grâce. Tu pars bientôt en Suisse ou comment, ou pas? Pas du tout. On attend la balle du Seigneur. Hein. Ah ouais, voilà, donc, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de la Suisse, hein, donc de Suisse qui nous attendent effectivement et qui sont touchés. Et on viendra bientôt, on ira bientôt à Genève, si le Seigneur le permet. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est aussi avec Blanchard. Bonsoir Blanchard. Bonsoir. Tout va bien? Tout va très bien par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Aurélie aussi qui est là. Bonsoir. Pour la première fois. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen. Dieu fait grâce? Oui. Et puis nous avons aussi Do qui est avec nous. Donc Do, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'où viens-tu, Do? Je viens du Vietnam. Du Vietnam. Oui. D'accord. Alors, tu as donné ta vie à Jésus-Christ il n'y a pas longtemps? Oui, récemment. D'accord. Oui. Récemment. Alors, mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu découvres que Dieu est bon, que Jésus est Seigneur, qu'il est amour? Comment ça se passe un peu là? Comment expliquer? Des choses comme ça, ça vient tellement naturel que j'ai oublié comment ça a commencé en D'accord. fait. D'accord. Genre, je ne croyais pas du tout. D'accord. En quelqu'un qui peut créer cet univers. D'accord. Et tout. Mais au fur et à mesure, je commençais à être curieuse, à aller lire des livres, à demander aux gens qui appartiennent à des différentes religions. D'accord. Comme le musulman, D'accord. les bouddhistes. Et comme ça que j'ai choisi de parler à Dieu. D'accord. Et en fait, il y a un événement qui m'a gravé dans le cœur. Mm-hmm. C'est que, vous voyez, quand on commence la nuit, mm-hmm. que j'ai décidé de parler. D'accord. À Dieu, dans ma tête. Toute seule chez toi? Oui, toute seule chez moi. Mm-hmm. Je me suis mis dans mon lit et j'ai dit, oh, peut-être, pourquoi pas, je vais parler avec lui. Mm-hmm. Où il est, est-ce qu'il existe? Et c'est là que, en fait, j'ai reçu, d'un coup comme ça, j'ai reçu un message D'accord. de ma copine. Ok. Donc, d'Aurélie. Oui. Normalement, elle n'envoie pas de message comme ça, en fait. D'accord. Mais là, ce jour, cette nuit-là, elle m'a envoyé une petite. C'est un verset. C'est un verset de la Bible D'accord. qui dit que Dieu t'a choisi. D'accord. Donc, tu lui envoies un verset où il est question du choix de Dieu, que Dieu t'a choisi. Voilà. Le moment que je décide de où es-tu, tu existes vraiment, tu vois. Donc, je commence à prier et je dis, si tu existes, eh ben, j'aimerais bien te connaître. D'accord. Voilà. Wow. Je commence à l'inviter. Parce que c'est comme s'il ne peut plus attendre. Effectivement. Voilà. Et c'est de ma propre volonté de vouloir le voir. D'accord. Voilà. Voir à Dieu. Et là, Dieu te répond comme ça? Ça me fait quelque chose parce mm-hmm. que je ne crois pas au hasard comme D'accord. ça. D'accord, quand même. Mais quand ça me fait quelque chose. Mm-hmm. Et de plus, ce temps-là, je commence à m'intéresser de plus en plus et je commence à lire la Bible et plus je lis, plus je trouve ça génial et que c'est comme si c'est le guide Amen. De vivre Amen. Pour nous humains. Amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh, que Dieu soit béni. Quel témoignage, hein, quel témoignage, mes amis. Le Seigneur touche vraiment les nations. Et alors, et le Vietnam est un pays aussi, c'est un grand pays, un pays qui a une grande histoire, une longue histoire. Et quelle langue parle-t-on au Vietnam? On parle le vietnamien. Le vietnamien. Oui. Et est-ce que ça te dérangerait de nous
dire quelques mots en vietnamien, et parler à Dieu en vietnamien pour peut-être aussi toucher quelques vietnamiens et vietnamiennes qui suivraient éventuellement cette vidéo. Pour dire la vérité, en fait, je n'ai pas encore lu la Bible en vietnamien. D'accord. Je suis plus habituée à la version française, d'accord. Et anglais. Ah, ok. Mais comment on dit bonjour alors en vietnamien? En général, on dit Xin Chào. Xin Chào. Voilà. Ah, donc j'ai bien prononcé, ouais. Xin Chào. Oui, voilà, Xin Chào. Waouh, Xin Chào, que Dieu soit béni. Ah ben, Xin Chào à tous les Vietnamiens qui, n'est-ce pas, suivent cette émission, hein, donc que le Seigneur soit glorifié. Voilà, donc Do, notre sœur, donc originaire du Vietnam, a, sur son lit, parlé à Dieu dans sa tête, en disant, bah, écoute, si tu existes, eh ben, réponds-moi, parle-moi. Eh ben, automatiquement, le Seigneur lui répond en se servant d'Aurélie, sa copine, qui lui envoie un verset biblique où il est question du choix de Dieu, hein, que tu es le choix de Dieu, que tu as été choisi par Dieu. Et ça, c'est magnifique, sachant que le Vietnam est un pays bouddhiste. Hein, donc, voilà. Donc, et voilà comment le Seigneur, bah, il va choisir notre sœur. Que son nom soit glorifié. Alors quand on voit des millions de chrétiens qui se disent « Moi, Dieu ne me répond pas. Moi, Dieu ne me parle pas. Je prie, je jeûne, Dieu ne me parle pas. » Et voilà une sœur, Do, qui n'était pas du tout chrétienne, qui est issue d'un pays, n'est-ce pas, bouddhiste, et qui, dans sa tête, se dit « Dieu, si tu existes, parle-moi. » Et instantanément, Dieu lui parle. Donc je crois que Dieu parle, effectivement, à tous ces chrétiens qui se plaignent en se disant « Il ne me parle pas. » Dieu leur parle, mais simplement, on ne saisit pas toujours son langage. Voilà. Donc, eh ben, comment justement Dieu parle? Et là, vous voyez, Dieu a parlé et Do a eu le discernement. Alors qu'elle n'est pas, je veux dire, elle n'a pas fait des années hein, dans la vie chrétienne. Hein, donc, elle a discerné que c'était Dieu qui lui parlait. Et elle a commencé justement à suivre le Seigneur, à lui obéir. Donc Dieu parle, nous dit la parole, il parle bien sûr par, d'abord dans sa parole, n'est-ce pas? Et comment Dieu parle véritablement? Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er. Alors Hébreux, c'est la page 1132. 1132. C'est là, voilà. Ok, c'est par ici. 1132. 1132. Parce que je voudrais que tu nous lises ce passage-là, je vais pouvoir t'aider. Alors. C'est là, Hébreux chapitre 1er, nous lirons juste le verset 1er. Ça te dérangerait de nous faire cette lecture? Hébreux. Avec mon accent? Pas de souci, avec joie. Mais c'est ça la richesse du royaume de Dieu, c'est les nations qui sont touchées. Désolé pour mon accent. Il est beau, alléluia. Okay. Un bel accent. Tout ça? Juste le verset 1er. Dieu... qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qui a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi fait le monde, et qui étend la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, voilà, comment Dieu parle? Comment Dieu parle-t-il? Voilà la question que beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, se posent. Parce que la compréhension, n'est-ce pas, le discernement du langage de Dieu est vital et indispensable à notre croissance spirituelle est indispensable, mes amis, à la réussite des projets que Dieu nous a, n'est-ce pas, assignés. Comprendre le langage de Dieu, c'est
mener une vie victorieuse. Saisir le langage de Dieu, c'est remporter des victoires dans le quotidien. Saisir le langage de Dieu, comprendre ce que Dieu veut pour ta vie, pour ma vie, mes amis, pour nos vies tout simplement, est indispensable à la percée divine. Alors comment Dieu parle? Justement, beaucoup se disent, mais oui, mais moi je ne comprends pas, je n'entends pas, j'ai l'impression qu'il parle plus à d'autres qu'à moi. Et voilà. Et les Écritures nous disent ici que Dieu qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. Donc, avant, comme vous le savez, il fallait aller consulter les prophètes. Consulter les messagers de Dieu pour avoir sa volonté, pour connaître sa volonté. Et là, ce n'est plus le cas. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas aujourd'hui, chrétien, chercher à ce que des prophètes vous disent, à ce que Dieu attend de vous. Ça s'appelle de la médiumnité, de la voyance, n'est-ce pas? Et Dieu condamne cela. Quand vous voyez un prédicateur venir chez vous, ne cherchez pas à savoir si Dieu a un message, si Dieu vous a, comment dire, appelé ou pas. N'allez pas le voir comme si vous alliez voir un voyant. Ce n'est pas chrétien, ça. Ce n'est pas chrétien, mes amis. Nous ne sommes pas des voyants. Oui, Dieu peut passer par les frères et sœurs pour parler à d'autres, mais ce n'est pas à nous de provoquer ces révélations. Voilà. Ça devient de la voyance. Et quand c'est comme ça, ben les prophètes qui ne sont pas avertis et qui sont consultés comme ça pour prophétiser, ben ils peuvent se mettre à prophétiser charnellement et devenir sans se rendre compte de ce fait des faux prophètes et inspirer une fausse espérance aux chrétiens. Et vous savez, si vous recevez une fausse parole prophétique, une fausse prophétie, eh ben vous allez vous y accrocher et être complètement égaré. Vous pouvez perdre beaucoup d'années comme ça parce que vous vous êtes accroché à une fausse espérance, à une parole qui vous a inspiré, n'est-ce pas, un espoir complètement, mes amis, faux. Donc, il faut vraiment veiller. On n'a plus à aller voir des prophètes pour connaître si un tel est ta femme, ton homme, si telle femme est ta femme. Non, ça, c'est pas, mes amis, ce n'est plus d'actualité. L'office du ministère ou du service prophétique actuel n'a rien à voir avec l'office du service prophétique sous la loi ou avant la loi. Là, ces prophètes étaient consultés, comme Saül et son serviteur étaient partis consulter Samuel pour savoir où se trouvaient les animaux, les brebis de son père. Mais aujourd'hui, mes amis, on nous dit que Dieu nous a parlé, Dieu nous parle par le Fils. C'est la façon la plus importante, mes amis, que Dieu a utilisé, que Dieu a utilisé pour pouvoir nous parler. Il nous a parlé par Yeshua, tout simplement. Donc, ça veut dire que, à partir de la croix, c'est Yeshua qui occupe toute la place. Voilà. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Donc, si vous voulez que Dieu vous parle, eh ben, demandez, priez pour que Jésus-Christ se révèle à vous. Amen. Voilà. Et qu'est-ce que on nous dit dans Jean 1, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans Apocalypse 19, 12 à 13, on nous dit que le nom de Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. D'accord? Donc ça veut dire que si vous voulez connaître la volonté de Dieu, c'est simple, vous avez la parole. Voilà. Nul besoin d'aller voir Chora, est-ce que t'as pas une parole pour moi, Chora? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé, Chora? Dieu ne t'a-t-il pas dit une parole pour moi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens chez moi? Est-ce que tu... Non, nous ne sommes pas des voyants. Non, ne nous transformez pas en autre chose que ce que nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ comme vous, des hommes comme vous, des femmes comme vous. Voilà. Donc Dieu nous a parlé par le Fils. Donc ça veut dire que celui qui veut connaître Dieu, celui qui veut entendre parler Dieu, celui qui veut que Dieu lui parle, il doit connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, il faut qu'il médite la parole de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ce livre. Tout. Ce livre est toujours d'actualité. Ce livre ne sera jamais démodé. Ne sera jamais, jamais, mes amis, jamais, ne tombera jamais en désuétude. Jamais.
Ce livre, je le répète, ne tombera jamais en désuétude. Il sera toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Et si vous voulez savoir la volonté du Seigneur pour votre couple, méditez la parole. Vous voulez savoir, connaître la volonté du Seigneur par rapport à votre marche chrétienne, méditez la parole. Vous avez des projets de mariage, vous voulez savoir si l'homme que vous voulez épouser, qui veut vous épouser, est de Dieu ou pas, ben, comparez sa vie avec la parole de Dieu. Il est dit dans Matthieu 7, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ah ben, regardez, est-ce que cet homme est comme Jésus? Cet homme marche-t-il comme le Seigneur Jésus-Christ? Cet homme parle-t-il comme Jésus-Christ de Nazareth? Donc, comparez la parole du Seigneur avec cet homme. Est-ce qu'il marche selon la parole? Est-ce qu'il obéit à la parole de Dieu? Cette femme qui veut être avec vous, cette femme que vous allez épouser, marche-t-elle selon la parole du Seigneur? L'église que vous fréquentez, applique-t-elle la parole du Seigneur? Le site sur lequel vous allez, sur lequel vous allez, le site que vous allez visiter souvent, est-ce que ce prédicateur parle plus de la parole de Dieu ou plus des autres? C'est simple. Si vous êtes sur un site où ce monsieur ou cette femme passe sa vie à parler des uns et des autres, eh ben, ce site n'est pas de Dieu. Parce que la parole est claire. C'est Jésus et Jésus seul qui doit occuper toute la place. Jésus-Christ de Nazareth, il doit être au centre de toute chose. Voilà. Paul disait dans 1 Corinthiens 2 au Corinthiens, il disait, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ et Christ crucifié. Crucifié. Jésus-Christ crucifié. Voilà. Donc, je le dis et je ne cesse de le dire, mes amis. Tout enseignement, toute prédication, toute exhortation, toute, mes amis, doctrine, tout site internet qui ne glorifie pas le Seigneur, qui ne met pas Jésus-Christ au centre, eh ben, n'est pas de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Si tel est le cas, eh ben, vous devez carrément, mes amis, les fuir, les quitter pour aller vers le Seigneur, surtout en ce temps de la fin. Parce que rappelez-vous bien que nous sommes fiancés à Jésus-Christ et en tant que fiancés, nous nous préparons, bien sûr, nous devons nous préparer pour les noces. Et plus nous allons découvrir le Seigneur, Jésus-Christ, plus nous allons nous sanctifier pour les noces, pour le retour du Maître. Et c'est pour cela, mes amis, nous avons intérêt, vraiment, vous avez intérêt à chercher à savoir qui est Jésus-Christ, qui il est, en tant que chemin, en tant que vérité, en tant que vie, en tant que lion, en tant qu'agneau, en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, en tant que lumière, en tant que, mes amis, l'eau de vie, en tant que feu, en tant que, je sais pas, pain de vie, il y a plein de choses. Et il a plusieurs, mes amis, fonctions, plusieurs facettes. Donc, et voilà, donc là, la parole est claire, et ce ne sont pas les anges qui doivent venir nous parler matin, midi, soir, même s'ils nous parlent, et ils ne peuvent que nous parler de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, Paul le disait, il était catégorique, hein, il disait que si quelqu'un vient vous enseigner une doctrine, que nous ne vous avons pas enseigné, qu'il soit anathème. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Donc, excusez-moi un peu, on est un peu dans les émotions parce que quand on parle du Seigneur Yeshua, ben je dois me contenir un peu ce que je ressens là pour pouvoir délivrer calmement le message. Voilà, parce que voilà, que Dieu soit béni. Donc Paul disait que et si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est clair, la parole est claire. Seul Yeshua doit être révéré, glorifié, magnifié, élevé. On dénonce le péché, on dénonce la religion, mais on doit révéler Christ aux gens par les enseignements, par la prédication, par les exhortations, par le partage, par l'évangile que nous apportons. Et c'est ça, mes amis. Donc, Dieu nous parle, oui, Dieu parle aujourd'hui par la parole, il parle en songe, oui, ça on le sait, il parle dans les visions, oui, par les prophéties, oui, parole de connaissance, parole de sagesse, oui, par le discernement des esprits, nous sommes d'accord, mais Dieu parle plus par le Fils, par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que le dernier livre de la Bible s'appelle la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est simple. Ça paraît simple, mais en même temps compliqué pour ceux et celles qui veulent se compliquer la vie,
qui veulent à tout prix entendre des paroles qui les encensent, qui les glorifient, qui les magnifient, qui les caressent dans le sens du poil. Jésus et Jésus seul. Voilà. Voilà, c'est ça l'évangile. Donc, et la parole est claire, on nous dit que le Fils a été établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui que le monde a été effectivement créé. Et il est la splendeur de la gloire du Père et l'empreinte de son être. Yeshua, homme, Yeshua, le Fils, est l'empreinte de Dieu. Donc il est Dieu. On peut pas dire que l'empreinte de Chora ne soit pas Chora, hein? N'est-ce pas? Parce que quand on voit mon empreinte, forcément on voit Chora. Si on voit vos empreintes, forcément vos empreintes c'est vous. Hein, quand on parle des empreintes digitales, tout ça là, c'est forcément, on arrive forcément à vous localiser, à vous identifier. Donc, avec vos empreintes, on peut vous localiser, vous identifier. Donc, si vous voulez identifier Dieu, eh ben, vous avez besoin de connaître Jésus-Christ, qui est l'empreinte de Dieu. Jésus-Christ, bien sûr, en tant que Fils. Donc, vous voyez, mon empreinte est intrinsèquement liée à moi. Vous ne pouvez pas me séparer de mon empreinte. Donc, Jésus-Christ, l'empreinte de Dieu, ne peut être que Dieu lui-même. Voilà. Voyez. Donc, vous n'allez pas prendre Jésus-Christ, l'empreinte de Dieu, pour en créer un Dieu, n'est-ce pas, totalement à part. Et non, il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'empreinte de Dieu, il est lui-même Dieu, il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Voilà, donc la parole est claire et la parole nous dit qu'il a, n'est-ce pas, puissamment et fait la purification de nos péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, les lieux très hauts. Donc, bien sûr, il n'y a pas deux personnes sur le trône comme certains nous font croire. Certains nous font croire qu'il y a deux personnes sur le trône. Mais ce sont des gens, excusez-moi du terme, c'est des gens qui méritent d'être délivrés par la parole. Parce que quand on dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine, cela ne veut pas dire qu'il y a deux personnes sur le trône. Il y a des passages qu'il ne faut pas interpréter littéralement. Comme quand le Seigneur dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, il faut la couper. On ne va pas la couper physiquement. C'est un message, là il faut faire une interprétation allégorique, n'est-ce pas? Donc c'est un message, n'est-ce pas, c'est comme une sorte de parabole. Quand on dit qu'il est assis à la droite du Père, de Dieu, cela veut dire que il occupe la position la plus haute, la plus élevée, parce que la droite en hébreu, chez les Hébreux, la droite est le symbole de la puissance, de la gouvernance, du gouvernement, de la suprématie, de la prééminence. Voilà, donc c'est pas comme s'il y avait deux personnes sur le trône. On nous dit que l'agneau était assis. Jean l'a dit dans Apocalypse 4, l'agneau 5, l'agneau est assis sur le... il est assis au milieu du trône dans Apocalypse chapitre 5. Donc on n'a pas dit que... voilà, Jean n'a pas vu deux personnes sur le trône. Il y a un seul être, Adonai, El Shaddai, El Elyon, Yeshua, Yahweh, le Dieu d'Israël. Voilà, mes amis. Et donc, si vous voulez que Dieu vous parle, eh bien, c'est simple. Priez que le Seigneur se révèle à vous. Méditez la parole de Dieu. Notre sœur Do l'a vécu, l'a expérimenté. Et aujourd'hui, en lisant la parole, elle découvre qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu attend d'elle. Et de même que quand vous achetez un appareil électronique, pour pouvoir l'utiliser correctement, eh bien, il vous faut une notice. Eh bien, pareil, si vous voulez fonctionner correctement sur Terre, eh bien, la notice que nous avons... donc c'est la parole de Dieu. Voilà. C'est pour cela que nous voulons honorer cette parole. Nous voulons, n'est-ce pas, bénir Dieu pour sa parole. Nous voulons la méditer. Nous voulons la lire. Nous voulons la partager avec force, avec simplicité, avec amour. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous motive. Le partage de la parole de Dieu, tout simplement. L'enseignement biblique. Et comme vous êtes amoureux et amoureuses de l'évangile, de la parole de Dieu, eh ben nous nous réjouissons, nous sommes dans la joie, et qu'ensemble nous puissions, mes amis, main dans la main, avancer vers le retour du Maître, vers le royaume céleste. Donc Dieu, mes amis, nous a parlé par le Fils. Et je me répète encore, je le répète, ne cherchez plus des prophètes qui puissent vous parler,
même si le Seigneur peut se servir des uns des autres par des prophéties, hein, avec des prophéties, des visions, des songes, des révélations, mais il ne faudrait surtout pas se dire « je dois absolument voir cette femme ou cet homme » pour qu'il me parle, parce que je suis fatigué, je veux que Dieu, n'est-ce pas, l'utilise pour me parler. Donc, oui, on a besoin des confirmations des frères et sœurs, on a besoin que Dieu se serve d'autres personnes pour nous confirmer des choses qu'il nous a dites dans le secret. Ça, il n'y a pas de souci, c'est la parole, c'est biblique. Mais il faut comprendre, nous devons comprendre que Dieu nous a déjà parlé. Si vous voulez connaître votre avenir, Dieu nous a déjà parlé. Si vous voulez connaître votre futur, Dieu nous a déjà parlé. C'est simple. Et c'est Jésus-Christ. Donc il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre de lui. Même l'éternité ne sera pas suffisante pour pouvoir découvrir Jésus-Christ. Tellement qu'il est insondable, tellement qu'il est profond. Il est haut, il est profond, il est large, il est long et il est tout puissant. Voilà. Que toute la gloire lui revienne. Donc c'est juste une courte exhortation et on voulait juste vous encourager à vraiment méditer la parole du Seigneur. Plus vous la méditez, plus vous allez être purifié, plus vous allez être sanctifié, émondé, plus vous serez émondé, guéri, restauré. Que toute la gloire lui revienne. En tout cas, merci à chacun de vous. Merci à vous tous qui priez pour nous, qui nous soutenez dans vos prières. Et nous tiendrons ferme. Nous tenons ferme grâce à vos prières, bien sûr, grâce au Seigneur, mais aussi grâce à vos prières, parce que le Père met dans vos cœurs cette pensée hein, de pouvoir prier pour nous et continuer à le faire. En tout cas, l'œuvre se fait, les choses avancent et nous sommes dans la joie. Nous sommes plus déterminés qu'avant à annoncer la vérité dans les nations. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur, au nom de Yeshua.